Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de la paracha de la semaine, paracha de Vayeler. Dans cette paracha de Vayeler, nous allons expliquer les 7 montées de la paracha, résumées de manière à vous donner cette vision un petit peu globale de la paracha et vous permettre de bien comprendre ce qui se passe dans le paracha de Vayeler. Et nous allons commencer tout de suite par la première montée. Dans la première montée de la paracha, Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple et leur dit « Écoutez, je suis maintenant un vieillard. » J'ai maintenant 120 ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide. Il va falloir maintenant que je me sépare de vous. Et c'est le moment tant redouté de la séparation de Moshe Rabbeinu avec le clan d'Israël. Et Moshe Rabbeinu va leur dire maintenant, va encourager le peuple, avant de les quitter, à rester fidèle à la parole divine, à rester fidèle à tous les enseignements qu'il a donnés pendant 40 ans dans le désert. Et on se retrouve pour la deuxième montée. Dans la deuxième montée, Moshe Rabbeinu explique au Bnei Israël, encore une fois, qu'il va devoir se séparer d'eux et que c'est Yehoshua, son fidèle serviteur, son fidèle élève, qu'il va prendre la suite, qu'il va prendre le relais. Et il va nommer Yehoshua comme, encore une fois, son remplaçant, si je puis dire comme ça, bien qu'on ne peut pas remplacer Moshe Rabbeinu, hein, son successeur, pour pouvoir poursuivre la mission, pour pouvoir poursuivre le chemin. Et Moshe Rabbeinu rappelle au Bnei Israël, il leur dit, c'est Hachem qui marchera toujours devant vous si encore une fois, vous restez fidèle à moi, vous restez fidèle à mon enseignement et à ma Torah. Et on se retrouve pour la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, Moshe Rabbeinu convoque son élève, son fidèle serviteur, qui s'appelle Yehoshua, Josué. Et il dit à Josué, à Yehoshua, il lui dit, voilà, c'est maintenant toi qui vas prendre la suite. Moshe Yehoshua ne s'y attendait pas, vous imaginez maintenant sa stupéfaction, mais il va accepter, comme il a toujours fait pendant 40 ans, les exigences de son maître. Et donc Moshe Rabbeinu va transmettre le relais, le bâton, à son élève, à son talmide, Yehoshua qui va devenir maintenant le manhig, c'est-à-dire le grand dirigeant du clan Israël. Et avant de lui donner le relais, il lui dit deux mots. Il ne lui fait pas des grandes explications de Torah, il ne lui fait pas des grands commentaires, il lui dit deux mots, Chizku ve'imtsu. Chazak ve'ematz, chazak en hébreu, ça veut dire sois fort, ve'ematz, ma'amatzim en hébreu, ça veut dire fais des efforts, sois fort et fais des efforts. Et c'est la recommandation que va donner Moshe Rabbeinu et Yehoshua, et c'est les recommandations que donnent tous nos maîtres, depuis le Har Sinaï jusqu'à la venue du Mashiach, nos maîtres nous disent toujours, chizku ve'ematz, d'ailleurs quand on lit la Torah, on dit le chazak, 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 et quand on termine un livre de la Torah, on dit chazak ve'nitrazek. Sois fort et renforce-toi. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem. Et on continue donc dans la quatrième montée de la paracha. Dans la quatrième montée de la paracha, après avoir transmis le flambeau, si je puis dire, à Yehoshua, à son élève, Moshe Rabbeinu lui rappelle maintenant quelques commandements importants. Et on va assister dans cette quatrième montée à une mitzvah particulière qui s'appelle la mitzvah du Hakel. La mitzvah de Hakel, c'est quoi? La mitzvah du rassemblement. Keila, c'est un rassemblement. Et il y a Moshe Rabbeinu enseigne au Bnei Israël qu'il devait une fois par an, tout le peuple devait se réunir, être réuni ensemble, pour quoi faire? Pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour prier Akadosh Baruch Hu, tout le monde à l'unisson, d'un même cœur et un même peuple. Et donc, nous continuons dans la cinquième montée. Dans la cinquième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit maintenant, Moshe, mon fidèle serviteur, mon fidèle élève, Moshe Rabbeinu, voilà que tes jours sur ce monde-là arrivent à leur fin. Tu vas devoir te séparer maintenant du clan Israël. Tu vas devoir les laisser et transmettre le flambeau, comme on l'a dit dans la montée d'avant, à Yehoshua. Et on assiste dans cette cinquième montée au départ de ce monde de Moshe Rabbeinu et on va voir qu'il va partir d'une manière aussi discrète que ce qu'il a vécu, qu'Akadosh Baruch Hu va juste demander à Moshe Rabbeinu de monter donc en haut de la montagne dans laquelle il se trouvait, et puis Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, donc Bezrat Hashem, avec ce qu'on appelle la Neshika, le baiser divin, et on continue dans la sixième montée. Dans la sixième montée, donc on assiste, comme je l'ai dit précédemment, au départ de Moshe Rabbeinu de ce monde, et juste avant que Moshe Rabbeinu se sépare du clan d'Israël, Akadosh Baruch Hu va rappeler à Moshe Rabbeinu que malheureusement, le peuple ne va quand même pas rester fidèle. Malgré toutes les injonctions, malgré toutes les recommandations, malgré tous les conseils,
le peuple va rapidement à nouveau retomber dans la faute, de l'idolâtrie, dans la faute de la débauche, dans la faute qui consiste à s'écarter de la parole de Dieu et de la Torah. Akadosh Baruch Hu va rappeler à Moshe Rabbeinu que le peuple devra s'écarter et qu'il y aura des moments difficiles. Mais en vérité, il lui dit, ne t'inquiète pas, on demandera à Yehoshua, qui sera ton successeur, de prendre la défense du clan d'Israël, comme tu l'as fait à chaque fois où le peuple était en difficulté. Et on continue ensuite par la 7e montée. Dans la 7e montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'écrire toute la Torah, sur des pierres spécifiques, et c'est ce qui va se passer. Avant qu'il quitte ce monde, on a dans les 4, 5, 6, 7, on est juste au moment où Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Avant de quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu lui donne un certain nombre de recommandations. La dernière recommandation qu'il va donner, avant qu'il se sépare du clan d'Israël, c'est d'écrire toute la Torah. Moshe Rabbeinu va écrire toute la Torah, va dire Tov Moshe Tashira Azot Bayomahu, et puis il va l'enseigner au Bnei Israël. Il va également la transmettre à Yehoshua bin Nun, et il va encore lui dire à nouveau, sois fort et sois courageux, parce que tu vas prendre la suite, c'est toi qui vas prendre sur les épaules tout le poids du clan d'Israël. Et dernière recommandation que va lui dire Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, va enseigner la Torah à tous les anciens d'Israël. Et c'est ce que va finir, la paracha va se terminer par cet enseignement où Moshe Rabbeinu va enseigner, va transmettre la Torah à tous les anciens, à tous les grands maîtres de la Torah qu'il y avait à cette époque-là. Et Bezrat Hashem, Moshe Rabbeinu va ensuite quitter ce monde-là, Bezrat Hashem, et nous allons assister ensuite à la fin de la paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tout le monde, à très bientôt pour une nouvelle paracha.